Sans Samuel Eto'o, sans Michael Ngandé, on va faire une très mauvaise Coupe du Monde. Il a les ondes positives dans cette tanière. Il a vraiment les ondes positives dans cette tanière. Et Michael Ngandé prie comme tout le monde, prie comme vous vous priez, et Dieu écoute vos prières. Donc Michael Ngandé aussi prie. Sans Michael Ngandé, à la Coupe du Monde, nous allons rentrer au premier tour. Nous allons perdre tous nos matchs. Tous nos matchs, nous allons perdre. Même s'il doit être dans la tanière, mais il ne joue pas. Nous allons aller plus loin avec lui. Parce qu'il fait partie de la racine. De la racine de cette qualification jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, président Samuel Eto'o, essayez de revoir ça. Il n'est pas encore tard, s'il vous plaît. Essayez de revoir ça. Imaginez tout le travail que vous avez abattu à cause d'une seule personne. Vous devenez, je ne sais pas comment dire, à cause d'une seule personne. Ça peut effondrer tout le travail que vous avez effectué. Si c'est en 300 combien de jours que vous êtes à la tête de la FECAFOOT. Donc, président, s'il vous plaît, il n'est pas tard. Essayez de voir avec les dirigeants camerounais, avec le coach Rigobert Song, le sélectionneur, s'il vous plaît. Appelez Michael Ngandé, à lever n'importe qui que vous voyez qu'il n'a pas sa place. Je ne sais pas où il ne mérite pas d'être là. Parce qu'il y a beaucoup, je ne veux pas citer. Il y a beaucoup qui ne méritent pas d'être là. Il y a beaucoup, deux ou trois au moins, qui ne méritent pas d'être là. Mais Michael Ngandé a sa place. S'il vous plaît. S'il vous plaît, président. Revoyez ça. Sinon, ça va retomber sur vous très mal.